What? Quoi? Quoi? Pourquoi? Pourquoi? Alors, oh, what? Autant je supporte pas les cheaters, mais alors là, c'est quoi ce truc? Mais... Tu sais, à deux doigts de faire ça, mais ça coûte trop cher. Oh, franchement, c'est magnifique d'affronter des cheaters, hein. Vraiment. Waouh, waouh, qu'est-ce que t'es fort, t'es niveau 16. Qu'est-ce qu'il va encore me raconter, lui? Stupide hacker. You are really bad. That's all. Qu'est-ce qu'il m'a encore répondu encore, l'énergumène? One vs one? A few moments later. Yop les tryhards! Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 2. Étant donné que nous sommes en pleine hype, autant retourner sur le vrai Call of Duty Modern Warfare 2. Ce jeu qui a bercé certains joueurs, le début de la grande génération Call of Duty. Mais avant ce début de vidéo, 4 choses très importantes. Donc reste parce que c'est super important. Première des choses que je reçois le plus souvent dans mes commentaires YouTube, c'est est-ce qu'il est encore possible de jouer à Call of Duty Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, BO1 ou BO2 sur PlayStation 3? La réponse est oui. Vous pouvez encore y jouer, contrairement aux TikTok que vous pouvez voir. Non, parce que c'est marrant de voir des TikTok de personnes qui ont 16, 17 ans lorsque le jeu a plus de 15 ans. Ces personnes-là qui disent « Oh, la nostalgie des Call of Duty !» Frère, t'étais dans le berceau, tu jouais même pas à Modern Warfare 2. Quelle nostalgie tu me parles ? Donc oui, effectivement, vous pouvez jouer aux anciens Call of Duty. D'ailleurs, au lieu de voir des petits TikTokers qui connaissent rien à Call of Duty, abonnez-vous à quelqu'un qui s'y connaît. Eh ben ouais, on fait des transitions de youtubeurs maintenant, tu crois quoi? Faut bien être imaginatif pour avoir un maximum d'abonnés, non? Le grind est présent en ce moment. Le deuxième point important, bah t'oublies pas de lâcher un gros pouce bleu à cette vidéo. Défonce la barre de like, martyrise la barre de like, ça m'aide au niveau du référencement, ça m'aide au niveau du soutien, et puis j'aimerais bien savoir quel est votre niveau de hype en ce moment sur Call of Duty Modern Warfare 2. Troisième point important, lors de la vidéo concernant les informations auxquelles j'ai pu vous donner concernant Call of Duty Modern Warfare 2 2019, le trailer, il semblerait que les leaks ont été modifiés et que ça serait pas à partir du 30 mai qu'on aurait le potentiel trailer de Modern Warfare 2, mais à partir du 2 juin. Je serai en live le 2 juin pour qu'on puisse réagir par rapport au trailer de Modern Warfare 2 comme on fait chaque année, mais il était important de vous le dire, comme ça vous êtes au courant. Quatrième point important qui revient par rapport à Call of Duty Modern Warfare 2, quel est le problème de Modern Warfare 2 à l'heure actuelle? C'est foutu hacker. Je suis tombé sur un mec qui s'appelle Campero MW2. 3 jours il se lève, 3 jours je le vois non-stop dans mes lobbies à 8h du matin. Je dois même pas imaginer l'odeur du slibar, une odeur de chorizo 15 ans d'âge je pense. Ah, parce que pour venir me casser autant les couilles à 8h du matin depuis 3 ou 4 jours, il faut quand même le faire. Évidemment, j'ai lancé directement du match à mort par équipe sur Modern Warfare 2 parce que bon, tu peux pas jouer vraiment à autre chose, hein, parce que la domination, bon, il y a personne. Il y a éventuellement quelques modeurs qui sont plutôt assez cool de faire en sorte. Attends, j'ai pas l'ACR. Merde, je voulais prendre l'ACR. Je suis con. Ouais, parce que l'ACR et l'intervention vont être disponibles sur Modern Warfare 2. Putain, je suis débile. C'est pas grave, on va jouer à l'UMP45, on va jouer avec une des meilleures armes du jeu. Et du coup, de temps en temps, il y a quelques modeurs bien sympathiques, je sais pas pourquoi ça bug. Il y a quelques modeurs bien sympathiques, des fois, qui changent la MME en domination, et là, on se marre bien, mais bon, généralement, c'est pas forcément le cas. Ah bah tiens, regardez, Campero MW2. Je vous ai dit, ce mec, l'odeur du slip, c'est du chorizo périmé. C'est une fermentation de 15 ans. Ok, premier kill. Toujours aussi forte cette UMP45. Et du coup, comme je te disais, en fait, bah oui, en fait, tu peux avoir quelques games de modeurs qui sont plutôt assez cool. Tu l'as pas, tu vois, mais tu l'as pas tué. Ah bah tiens, Campero, il savait où il était. On se demande pourquoi. Hein. Et des fois, il y a des modeurs qui sont plutôt assez cool, qui modifient un peu les games. Donc des fois, on n'a pas forcément de la MME, mais on peut avoir de la domination 9v9. Non, putain. Non, je vais mourir. Je vais mourir. Mais j'ai vraiment hâte de Modern Warfare 2, voir qu'est-ce que cela va donner. Parce que en ce moment, il y a pas mal de gros leaks qui sortent et qui sont que positifs. Let's go, ça dégage. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce que cela va donner au total. Je pense que Infinity Ward a vraiment compris les erreurs qu'ils ont fait avec Modern Warfare 2019, et tant mieux. Parce que ce qu'on veut, c'est un Call of Duty qui perdure dans le temps, et surtout quand tu fais un Call of Duty qui va... Ah. Oui. Ah, vivement que je puisse brancher ma manette sur PC et que je puisse jouer à IW4.
parce que c'est très frustrant d'affronter ce genre de personnes, quoi. Et j'ai hâte de voir le rendu qu'on va avoir, puisque, vous le savez, on va avoir le retour de l'intervention, on va avoir le retour de l'ACR, donc ça c'est plutôt cool. J'espère que ça va être quand même celle d'MW2, et, ou celle d'MW3, hein, peu importe, hein. Un des deux, ça c'est sûr. Au moins que ça soit un des deux. Ou sinon celle de Infinite Warfare, parce que la RX, je l'aime beaucoup, la Mir. Putain, et vraiment, c'est un calvaire de jouer sur ce jeu quand tu tombes sur full hacker. Il y a deux hackers dans le lobby, et les deux sont dans chaque équipe différente. Mais bon, c'est comme ça, malheureusement, ça c'est l'ancienne génération désormais sur Call of Duty. Enfin, sur les anciens Call of Duty, où ça... oui, meurt. Où malheureusement, bah, c'est rempli de hackers un peu partout, quoi. C'est juste insupportable. Je comprendrais pas, en fait, je comprendrais jamais c'est quoi le délire de vouloir absolument tuer un jeu en hackant, etc. Je veux dire, fais ça en partie privée, tu fais ça avec tes potes, etc. Au lieu de partir forcément au public lorsqu'il y a des gens qui veulent juste s'amuser un peu de leur nostalgie, quoi. Jouer un peu via la nostalgie. Oula, oula. Par contre, faire un double kill et je tue le hacker, ça fait grave plaisir, alors. Eh bah oui, t'as raté ton shoot. T'as pas honte d'avoir un aimbot et raté tes balles. C'est vraiment la honte, hein. C'est vraiment une putain de honte. Non, toi t'es pas mort. Ah, lance-grenade. Ah ça d'ailleurs aussi, je l'espère qu'il n'y aura pas de lance-grenade sur le jeu, hein. Alors ça aussi, parce que c'est bon, on a connu une certaine époque sur Modern Warfare 2. Seuls les anciens pourront le dire. Machine de guerre, lance-grenade avec... je crois que c'est danger rapproché. Oh, le combo de l'enfer. Allez hop. Je sais pas du tout où il est. Toi, tu dégages. En fait, il faut jump shot à chaque fois. Ça a pas marché, là. Ah! Ah! On est tombé sur la R&D? Oh, il y a encore un modeur qui a changé. Bon, quoi qu'il y ait, on peut faire un peu de SND, hein, voir qu'est-ce que ça donne. Hein. Ça peut être marrant. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de recherche et destruction. Ah, je t'ai dit, hein, les modeurs, ils s'amusent un peu, hein. Oh, il te marque. Non, c'est un truc de fou, hein. Ouais, vas-y. Vas-y. Ouais. Ouais, oui. Voilà. C'est ça le problème de... En fait, c'est ça le problème de ce jeu. C'est que t'essaies de te connecter sur PS3, mec. C'est juste injouable, en fait. Bon, on est entré dans une game où c'était en MMO. J'espère qu'il n'y a pas de cheat. Oh, c'est quoi ce menu, là? Ouh là 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 là, ça me pète un peu les... Bon, bah, il semblerait que pour le moment... Alors, je dis bien pour le moment qu'il n'y ait pas... Deux hackers, on va pas s'en plaindre. Et directement, on a repris la CR. Se retrouver ces petites sensations. Même si récemment, j'avais fait quand même toutes les armes ultra cheatées sur... Oula. Sur tous les Call of Duty. Est-ce que tu sens le désespoir? Est-ce que tu sens le désespoir? J'aimerais tellement une chose, c'est que un jour, Activision retourne sur les anciens Call of Duty, voit le nombre de personnes qui cheatent, et les bannir à vie. Pas, tu sais, pas juste bannir, c'est vraiment, tu les bannis à vie, tu bannes l'IP, une bonne fois pour toutes. Parce que ce genre de personnes ruine complètement... Ah bah tiens, regarde, c'est le cheater en plus. Il ruine complètement l'expérience de jeu que tu peux avoir avec ce petit côté nostalgique, quoi. Tu dis, tiens, une petite dose de nostalgie. Et bah hop, non. Tu te prends un gros M-Lock dans ton crâne. A few moments later. Non ! On est donc sur Wasteland. Petit Barrette. Ah, très clairement, on est là pour casser des culs, hein. Je pense que là, tu l'as compris. Là, il y a des culs à froisser, à rendre tout rouge. C'est... Premier kill. Toi, t'es mort. Non. Oh là là. Mais qui joue H24 avec des stuns encore en 2022 sur Modern Warfare 2? Seigneur, lâchez un peu vos tactiques, là. Mets un peu plus gunfight. Ça, c'est bien vu, ça, David. Mais comment? Mais... Oh, je déteste les... Oh, je déteste quand je lâche des hitmarkers.
Oh, je vais ça. Ok, il y a un mec qui campe en fait un peu. Oh. Mais comme... Ok, non, 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 on va faire un peu attention. Ah ouais, en plus tu joues lance-grenade, toi. Mais t'as honte de rien, monsieur. Mais tu n'as honte de... Oh là 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 là. Bon, par contre, lui aussi, il me lâche des hitmarkers, donc ça fait du bien. Tant mieux. T'as tes dièges. Encore le hitmarker, putain de... Je vais devenir fou. Eh ouais, tu dégages. Allez hop. Tu mériterais de te prendre une nuque, toi, en vérité, hein. Allez, ça dégage. On va voir si par hasard, ils veulent absolument ma peau, là. Allez, fais du kill. Allez, fais du kill, fais-toi plaisir. Allez. Oh non, putain. Les problèmes. Cobra ennemi ? Mais... Oh, je vais devenir fou, là. Ok. Je peux même pas balancer mon mitrailleur hélico. Oh, putain. Les gros problèmes. Y'a pas un mec qui veut s'amuser à le détruire, le mitrailleur hélico, là? Enfin, le mitrailleur, le Hein. Oh oui, détruis-le. Bien vu, ça. Allez, hop. Go faire péter la map, hein. Allez, allez. Vous êtes où, là? Vous êtes où? Ouais, ouais, reviens vers moi, toi. Revenez, 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 là. C'est pas fini, là. C'est pas fini. Let's go! Et la bombe nucléaire! Que ça soit l'arme ou au sniper, peu importe! On te les claque, tes nuques! Allez, dégage! Rasé. Ah, ça fait plaisir après le nombre de hitmarkers. Oh là là, c'était frustrant. Oh là là, qu'est-ce que c'était frustrant. Attends, t'es toujours pas abonné là? Bah tu t'abonnes, primo. Deuxièmement, tu lâches un like. Et ensuite, tu me follows sur les différents réseaux sociaux. Hein, que ça soit Twitter, Instagram, tu fais la totale. Et t'oublies pas de checker les autres vidéos.